Salut les potos, ça fait un bon moment que je n'ai pas déposé de vidéo. Tout ça a des causes tout à fait justifiables, puisque le 21 novembre l'année dernière, ma maman a eu un AVC et bon, heureusement elle s'en est sortie, elle s'en sort doucement et là elle est en révalidation. Le même jour, mon épouse a eu un accident de voiture. Il y a des jours comme ça qui sont maudits. Et depuis ce jour-là, je suis sans voiture. Et même pour aller voir maman à l'hôpital ou en révalidation, eh bien ma foi, heureusement que j'ai une voiture à prêter. Heureusement, le 29 novembre, j'ai ma quatrième petite fille qui est arrivée au monde. Et là, même si on a eu une sérieuse alerte le 7 décembre, où on croyait qu'elle souffrait d'une maladie génétique, là, tout va bien. Donc, voilà, mes quatre petits-enfants, ma maman m'occuper. Et ça veut dire que ça a restreint beaucoup, beaucoup mon travail au jardin et autour du jardin. Ici, voilà, je reprends un petit peu le poil de la bête et j'essaie de m'aménager des plages horaires pour pouvoir enfin commencer cette saison 2019. Puisque j'aspire réellement à retourner au jardin et à pouvoir, comment dire, faire mon activité préférée, c'est-à-dire celle qui m'amène beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et qui amène aussi, qui apporte de la nourriture dans nos assiettes. Alors, pour cette première vidéo 2019, on va attaquer la nurserie 5.0. On y va. Avant d'aller voir ma nurserie, je suis en train de préparer, parce qu'aujourd'hui j'ai commencé à piquer mes premières tomates, je suis en train de préparer un de mes ingrédients secrets. Secret, c'est un grand mot. Enfin, j'ai constaté ça par moi-même et c'est tout à fait logique. Vous voyez, ce sont des coquilles d'œufs que j'ai fait sécher sur mon feu au bois devant. Je vais les réduire en poudre et donc c'est cette poudre de coquille d'œuf, je vais l'insérer dans mon mélange secret, mais il sera pas tellement secret puisque je vais tout vous dire pour le repiquage de mes tomates. Pourquoi de la poudre de coquille d'œuf? Parce qu'en fait la coquille d'œuf c'est de l'os. La poudre d'os, si vous regardez de 1, c'est très utile en nutriments dans du compost et on vous la vend très cher en magasin. Là, c'est de la vraie poudre d'os, donc des os d'animaux, des os certainement qui viennent d'abattoirs ou d'ailleurs. Mais moi, ici, c'est du 100% naturel puisque ce sont mes œufs. Et plutôt que jeter ça au compost, je la réduis en poudre directement. Et ça va me servir dans mon petit mélange. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Hein. Pourtant, il y avait au moins une trentaine de coquilles. Et voilà, une petite poudre de coquilles d'œufs qui va apporter énormément de nutriments dans mon petit compost. Nous sommes donc ici dans ma nurserie 5.0. Pourquoi 5.0? Parce que ça fait 5 ans que j'utilise une nurserie et que tous les ans j'essaie de l'améliorer. Donc tout le monde connaît plus ou moins mon système de conservation de semences, hein, dans des petits pots de médicaments. Moi qui suis pas bricoleur, j'ai réussi à faire des plateaux que je peux empiler mes trois plateaux là. Et donc je travaille quasi exclusivement sur les numéros, et les numéros je les retrouve sur mes listes ici. Je me suis inspiré aussi de je ne sais plus qui sur YouTube pour faire donc les grosses semences qui ne rentrent pas dans des petits tubes, les haricots, les pois, etc. ou des semences que j'avais en trop, en double, ou des sachets que j'ai retrouvés. Donc j'ai fait un petit panneau et en fait simplement avec une petite vis, comme ça je vais pouvoir
les stocker, notamment ici, par exemple, tous mes échanges, je ne vais pas, quasi pas les intégrer dans mes numéros cette année. Je vais d'abord les mettre sur mon panneau et après, en fonction de si je refais moi-même des semences, voilà. Alors, Monastery 5.0, voilà, donc mon fils a eu la gentillesse de me refaire des portes vachement mieux et meilleures que celles qu'il y avait avant. Et donc, à l'intérieur, je vais vous montrer. Voilà. Donc, j'ai trois plateaux. Un, deux, plus le bas. Le bas, c'est plus pour quand les plans sont quand même un peu plus grands. Et le haut, c'est pour les semences, hein. Là, j'ai depuis à peu près 6-7 semaines des oignons mammouth, hein, que j'ai acheté en Angleterre. Et voilà mes premiers semis de tomates que je vais commencer à repiquer aujourd'hui. Et ici, nous avons des semis de poivrons ou piments. Et pour l'instant, je n'en ai que deux qui sont sortis. Mais je vais tenter un deuxième semis aujourd'hui. Donc j'ai toujours un arrosoir avec de l'eau dans ma nursery. Pourquoi? Pour garder l'eau à température, puisqu'un choc thermique peut faire fondre vos semis. J'ai aussi du terreau à température. La température, en l'occurrence ici, elle est soit de 20,2 ou de 19,3. Et j'ai une hygrométrie de 36 ou 38%. J'ai juste mon radiateur électrique à bain d'huile qui est au strict minimum et qui se déclenche uniquement en cas de gelée. Là, j'ai de l'eau dans un bac aussi qui est à température pour tremper mes pots. Et déjà, rien que les néons donnent à eux-mêmes non seulement la lumière, mais aussi la chaleur. Évidemment, j'ai mis contre les parois des feuilles d'aluminium, hein. En fait, ce sont les trucs de survie que j'achète sur Wish à 0 €, vous payez que les frais de port, etc. Mais enfin, donc j'ai agrafé ça. Pourquoi? Pour la réverbération de la lumière. Comme ça, la lumière, elle est vraiment normalement. J'en ai aussi ici sur les portes, hein, à l'intérieur. Elle est vraiment en 360 degrés. Et le plan n'a pas tendance à filer à gauche ou à droite. Ici, vous voyez que mes plants qui ont été semés, je vais vous dire ça tout de suite, le 5 janvier, sont déjà bien beaux. Donc, nous sommes le 17, donc ça fait 12 jours. Donc, il est temps pour moi de faire un premier repiquage. En l'occurrence, là, eh bien, j'ai semé du poivron, tequila sunrise, du piment basque, la tomate cœur de bœuf refried, du piment doux italien Red Marconi, corneau di toro, la tomate géante belge, la marmande hâtive qui m'a fait gagner l'an dernier avec une tomate consommable le 12 juin, du poivron dulce italiano, cherry thyme, la tomate couille de taureau, le poivron piment doux d'Espagne, la tomate portugaise, là je suis très content d'avoir retrouvé ça, la tomate géante rose, la tomate orange géante, le poivron vert et le poivron rouge. Si j'ai le temps aujourd'hui, je ferai d'autres semis, mais honnêtement, je n'en sais rien. Par contre, j'ai déjà donc mes mélanges de terreau, hein, c'est du terreau basique de rempotage. Je fais mon petit mélange dans le seau. Là, j'ai ma poudre donc de coquille d'œuf. Là, c'est du marc de café. Et là, nous avons donc des cendres de bois qui vont amener la potasse. On peut aussi éventuellement ajouter ce que j'ai fait il y a 2 ou 3 ans. Mais cette année, malheureusement, faute de temps, je n'ai pas pu m'en occuper de la poudre d'ortie, de la poudre de consoude. Il suffit de faire sécher les feuilles d'ortie ou les feuilles de consoude. Et vous transformez ça en poudre et vous ajoutez ça dans le mélange. Je vais aussi tenter de repiquer. Mon épouse suit des cours de cuisine et elle me ramène souvent des petits pots de basilic ou de ciboulette. Et je vais essayer de les repiquer pour voir s'ils vont se relancer. J'ai préparé aussi
pour le premier repiquage des pots que, bon, étant écolo, je suis pas tellement pour travailler avec ça, mais c'est un truc que j'ai trouvé, je sais plus où. Et donc, c'était pas utilisé, j'ai juste simplement rajouté des trous. Et l'avantage d'un pot comme celui-ci, c'est que je vais pouvoir vraiment mettre mon plant de tomate le plus profondément possible pour qu'il puisse faire vraiment énormément de radicelles tout au long de sa tige. Et je ferai encore certainement un ou deux repiquages par la suite dans des pots différents. Et Dieu sait si vous avez vu mes anciennes vidéos que des pots de toutes sortes, j'en ai récupéré à la jardinerie un peu plus loin gratuitement. Le monsieur, ça lui fait plaisir puisque ce sont des frais en moins de ramassage. Et moi, j'ai des pots professionnels, parce que ce sont des pots que vous ne trouvez pas dans le commerce gratuitement. Voilà, hein, ce sont des pots extraordinaires. Hein. Dans le commerce, vous n'allez pas trouver des pots comme ça. Hein. Ce sont des pots avec lesquels je peux faire quelques saisons sans problème. J'ai quasi toutes mes semences qui sont en ordre pour la saison 2019. Je n'ai plus que quelques semences que j'avais fait moi-même ici de consou, d'oignons, de tanaisie, de maïs, de coquelicot ou de tournesol géant de Sibérie. Je remercie en parlant de tout cela toutes les personnes avec qui j'ai pu faire échange sur le site Facebook de Jaco Lydie, donc échange de graines, et où j'ai retrouvé des potes youtubeurs comme moi, avec qui j'ai vraiment fait de très bons échanges. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve une fois que j'aurai fait un petit peu de travail pour vous montrer. Première opération terminée, c'est-à-dire que donc j'ai tamisé mon terreau de base. Hein. Voilà, ici, j'ai mélangé donc mon marc de café, mes coquilles d'œufs et mes cendres de bois. Et j'ai retrouvé juste là derrière un petit peu de poudre marine. Hein. C'est très bon aussi. Hein. Alors, comme vous voyez, les gros morceaux qui sont ici, donc que j'ai occulté au tamis, ben ceux-là, je vais les mettre dans le fond. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour la rétention d'eau, puisque moi je n'arrose que par capillarité, donc par le cul, comme on dit. Hein. Et si vous mettez du terreau aussi fin que ça dans le fond, votre terreau risque de fondre et d'aller se mélanger avec l'eau d'arrosage. Tandis que ici, avec une petite couche, vous voyez, il y a un petit peu, il y a des filaments, il y a des morceaux un peu plus gros, ça va éviter des problèmes. Vous voyez, sur un bac standard, ces petits pots que j'ai eu, hein, encore une fois que j'ai pas acheté, ben, j'en mets 30, 30 plants, c'est déjà pas mal dans un bac. Dans ces pots-là, ils vont y rester au minimum 3 ou 4 semaines, puisque le pot est assez grand, et comme le plant va être enterré assez profondément, ça va lui laisser de la marge. Et il est bien évident que quand je repiquerai dans un pot, soit comme ça ou comme ça, parce que l'idéal pour les tomates et les piments, c'est quand même surtout les tomates, hein, c'est quand même de repiquer plusieurs fois. Hein, je vais peut-être terminer dans un pot comme celui-là, hein, vous voyez le truc quoi. Hein. Donc, il est évident qu'au prochain repiquage, ben, tous ces trucs et ces machins et ces bazars, ce sera un peu terminé. Sauf évidemment si j'ai encore un peu de cendres de bois. Mais le fond du pot sera occupé par mon propre compost que je fais depuis à peu près 1 an et demi et qui se trouve dans mon jardin. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Pourquoi? Parce que ce compost que j'ai fait est principalement composé de broyat, de feuilles, d'herbes, de déchets de jardin, de cendres de bois que j'ai jetées aussi, de marcs de café, etc. Donc il est déjà bien, bien fort. Tout ceci est simplement pour bien démarrer le plant. Et comme il se trouve dans une nurserie, ce serait bête de ne pas profiter, en plus de la lumière que je lui donne et de la chaleur, de lui donner vraiment à manger correctement. Ne vous leurrez pas, hein, les plants que vous achetez directement en jardinerie, ils sont pas faits autrement. Hein, c'est la même manière que moi.
À la différence près que ça se trouve dans des serres immenses qui sont chauffées et auxquelles on apporte de la lumière 24 heures sur 24, et que tout ce que je peux mettre, c'est-à-dire le marc de café, les coquilles d'œufs, les cendres, la poudre d'algues, etc., etc., tout ça est donné dans un. Allez, comme si c'était en intraveineuse, hein, par un tuyau. Tout ça coule tout au long, dans des gouttes à gouttes, et c'est ce qui permet pour vous, fin avril, d'acheter des plants de tomates qui sont déjà de 60 ou 70 cm et qui vont vous font gagner de l'avance. Mon principe, c'est uniquement celui-là. Je ne demande pas de manger des tomates au mois de mai, loin de là, mais je demande juste de m'éviter d'acheter des tomates. Et en faisant une partie de mes plants en nursery de tomates, je sais que ça m'évitera d'être tenté d'en acheter, et ça me permettra d'avoir des tomates un peu plus tôt. Et en faisant la même chose sur les piments et les poivrons, là je gagne beaucoup de temps, parce que ce sont des plantes qui mettent très longtemps à venir à maturité. Et si vous semez seulement vos poivrons et vos piments en mars ou en avril, en godet, pour espérer avoir des fruits, eh bien ma foi, si vous avez des fruits en septembre ou en octobre, c'est bien. En les avançant comme ça de plus ou moins 2 mois, ben, je peux espérer, escompter, en fonction de la saison, d'avoir des fruits de piments, de poivrons, déjà à la fin du mois d'août, et d'étaler mes cultures. D'autant que j'ai fait une expérience juste avant l'hiver, j'ai récupéré des plants qui étaient en pleine terre, je les ai remis en pot, et ils sont en train de végéter dans ma serre, dans une de mes serres, et je verrai bien s'ils repartent au printemps. Voilà, peut-être je refais encore une petite vidéo, 2 minutes, quand j'ai fait mes repiquages. À tantôt. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, j'ai repiqué, comment dire, une trentaine de plants de tomates. J'ai même marqué ici sur le truc, 17 du 1, ce que j'ai repiqué. Comme ça, j'ai un petit aide-mémoire. J'ai repiqué la ciboulette et le basilic. On verra bien s'ils reprennent. J'ai ressemé un petit peu quelques piments et poivrons qui n'étaient pas levés. Et puis le reste, ce sera pour plus tard. Voilà donc qui achève la première vidéo en 2019 de Pépé Dany, le jardinier belge. Éclatez-vous bien dans vos jardins et à très bientôt pour la suite de nos aventures.